le cortège de Marine Le Pen a été attaqué au moment où elle se rendait, où elle quittait l'hôtel, où elle a tenu une conférence de presse. Regardez ces images exclusives. Marion, expliquez-nous ce qui s'est passé. Oui, tout à fait, hein, Laurence. Des militants, eh bien, sont venus troubler l'arrivée de Marine Le Pen, qui était venue ici à Dijon pour faire une conférence de presse. Alors sur place, hein, les militants s'en sont pris à l'une des voitures du cortège de Marine Le Pen, comme vous pouvez le voir sur ces images de Fabrice Elsner. Il y a eu aussi de la part des forces de l'ordre qui ont mis énormément de temps à arriver, hein, notamment parce qu'elles étaient déjà en place sur une manifestation dans la ville de Dijon. Et puis, eh bien, ces forces de l'ordre qui ont disperser les manifestants au cours de sa conférence. La présidente du Rassemblement National s'est offusquée de faire du faible nombre d'interpellations qu'il y a eu ces derniers jours, 4 au total, et elle a qualifié la situation d'une gravité inouïe, avec des mafias agissant en toute impunité, avant de repartir sous les huées des derniers manifestants restés ici pour l'attendre. Merci beaucoup Marion Delpech avec ces images exclusives donc de Fabrice Elsner, où on voit le cortège de Marine Le Pen a attaqué. On voit des jets de gaz lacrymogène qui sortent de la voiture, sans doute de la part de ces gardes du corps qui tentent de protéger la patronne du Rassemblement National de certains militants. Jean-Claude Dacier, effectivement. Les militants on ne sait pas trop. Ils militent pour quelque chose, mais bon, ça fait partie, hélas, de la situation politique que nous connaissons en France. Encore une fois, ça se passait à Dijon, hein, on le rappelle. Voilà, ce qui s'est passé, encore une fois.